C'est l'histoire de deux filles qui partagent un appartement en France, qui ont un visiteur d'Amérique, qui ne parle pas bien le français. Mais Nico découvre que Sam est très, très riche. Alors, est-ce que Sam est amoureux de Sacha? Est-ce que Sacha est amoureuse de Sam? Et Nico, il est amoureux de qui? Reste branché pour le prochain épisode de Extra! Poste cascadeur. Compétences. Et j'adore le moto. Âge, 20 ans. Non, 30 ans. Plus de maturité. Je suis mûr. C'était ça, le problème. Qui veut des œufs très, très, très durs? Nico, ce sont tes œufs? Mais tu peux mettre le feu à l'appart comme ça? Tu es fou ou quoi? Oh, hi. Are my eggs ready? Mes œufs. Sam, ce sont tes œufs. Les œufs de Sam, Sacha. Et lui, il est fou? Sam, les œufs sont... ne sont pas bons. Tu veux plutôt du fromage? Merci, Sacha. Tu veux plutôt du fromage? Puis d'abord, qu'est-ce que tu fais sur notre ordinateur? Oh, rien. Disons que un jour, les filles, vous direz toutes Brad Pitt, beurre, Johnny Depp, beurre, Nico le voisin, le cascadeur le plus cool du monde. Ah, oh, cascadeur. Ouais, j'ai eu le boulot sur Internet. Hein. Enfin, presque. Enfin, j'attends la confirmation. Hein. Cascadeur le plus cool du monde, sur un scooter. Sur une Harley Davidson, en fait. Hein. Ah, oh, des films, des stars, tout cet argent. Oh, tu as vu la nouvelle robe de Vanessa Ceccaldi? Oh, j'aimerais bien avoir la même. Oh. Moi aussi, elle m'irait bien. Combien? Attends. Combien? Je suis étudiante, c'est beaucoup trop cher pour moi. J'ai un travail et c'est beaucoup trop cher pour moi. On ne peut même pas payer cette facture ou celle-là ou celle-là. Nous n'avons jamais d'argent. Il nous faut plus d'argent. More money. Sacha et Annie. Non, Sam, c'est un secret. C'est toi là, Sam? Oui. Chut. Don't tell the girls. Qu'est-ce qui est un secret? J'ai quelque chose à vous dire. Oui? Vous avez été très gentille. Oui? Alors, je veux vous donner de l'argent. Oui? Et je vais chercher... du travail. Wow, Sam, c'est une idée fantastique. Ouais, on trouve des jobs sur Internet, non? Ouais, super. Mais Sam, je ne comprends pas. Tu as de l'argent. Tu n'as pas besoin de travailler. Mais je veux travailler. Oh, ok. Bon,
voici les offres d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Il y a un boulot dans une laverie. Voilà le problème. Non. Il y a un boulot pour un jardinier. Ma pauvre plante. Non. Là, il y a un boulot pour un cuisinier. Qui veut des œufs très, très, très durs? Non. Ah, là, il y a peut-être ce que nous cherchons. Mm-hmm. Serveur. Et pourquoi pas, Sam serveur. C'est super. Oh, j'adore les serveurs mignons. Mignon? Vous avez dit mignon. Me voici. Mais non, Nico. Que penses-tu de Sam serveur? Serveur? Bah oui, tu sais... Oh, a waiter. Me? Nah. Bah, ne t'en fais pas. Je vais t'apprendre. Great. Thanks. Mom, guess what? I've got a job. Nadia, notre cher Sam cherche du travail. Mais c'est difficile, hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Travailler dans une laverie? Non. Travailler comme jardinier? Non. Travailler comme cuisinier? Non. Qui veut des œufs très, très, très durs? Et puis, nous avons vu un travail pour Sam. Oh, a waiter? Me? I'm gonna be a waiter. Mom? Mom, are you okay? Allô? Oh, Stéphane! Comment allez-vous? Oh, merci Stéphane! Dîner ce soir? Oui, Stéphane! 19h, café bleu! Ciao Stéphane! C'était Stéphane? Non! Il veut m'inviter à dîner parce qu'il veut me parler d'un nouveau travail! Qui est Stéphane? C'est le patron de Sacha. Et il est tellement riche, tellement intelligent, et il veut me voir, moi. Je vais gagner plus d'argent. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, j'ai rien à mettre! Je parie que Stéphane ne sait même pas conduire une moto. Non. J'espère qu'il va donner une promotion à Sacha. Mais je sais qu'il a un surnom. Non. Lequel? Le poulpe. Le poulpe? Le poulpe. Oh, the octopus. Elle doit le voir toute seule? Non, il faut aider Sacha. Nous devons faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai rien à lui dire. J'ai une idée. Manger ici. Oh oui, je peux aussi parler à Stéphane. Ici, pas question, non. Et je fais la cuisine. Sûrement pas, non? Allez, Sacha, je t'en prie. Et moi, je suis le serveur. I wanna be your waiter. Bon. Ok. D'accord, mais pas de blague, hein? Je vais envoyer un email à Stéphane pour changer notre rendez-vous. Sacha, ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Bienvenue. Merci. Vous avez une table? Une table pour manger? Oui. Vous préférez ici ou là? Ici.
alors? Alors quoi? Ah, l'addition! Non! Pas encore! D'abord, le menu. Bon, oublie le menu. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, comme plat du jour, j'ai une délicieuse poubelle rôtie. Poubelle? Poubelle? Non, non, non. Tu veux dire poulet rôti. Poulet? Mais qu'est-ce que c'est poubelle? Poubelle? Oh. Hop. Tiens, ça c'est une poubelle. Poubelle? J'ai dit poubelle. Aujourd'hui, aujourd'hui, comme plat du jour, poubelle, s'il vous plaît. Alors, ça va? Super! Nico est un bon professeur. Je peux voir? Le café de Sam est fermé pour l'instant. J'ai un colis pour Sacha et Annie. Oh, merci! Oh, Sacha, regarde! Pour la ravissante Annie, bisous S. Et pour la merveilleuse Sacha, bisous S. C'est qui S? Ce doit être Stéphane. Qu'est-ce que c'est? Sacha, regarde! C'est la robe de Vanessa! Comme sur le magazine! Oh, mais comment il a deviné? C'est un homme intelligent. Et de toute façon, ce n'est plus la robe de Vanessa, c'est la mienne. Oh, merci Stéphane. Oh, ton patron est vraiment gentil, hein. Mais pourquoi une pour moi aussi? Eh ben, je lui ai parlé de toi dans mon email. Tonight, Sasha's boss is coming round to talk to her about her very important new job. And to make things go smoothly, Nico and I are serving dinner. Mini, mon boss Stéphane vient dîner à la maison. Dîner ce soir? Oui. Il veut me parler d'un nouveau job. Oh, je suis hyper excitée. Il m'a même offert une nouvelle robe. Merci, Stéphane. Son surnom, c'est le poulpe. Bah. Oh, the octopus. Enfin, ce soir, Sam et moi allons servir Sacha et son poulpe un bon dîner. Yes, I know I've never picked up a tray in my life, but Nico has trained me well. La sauce, c'est la française. C'est comme ça que je les aime. Quand elles font pas de grumeaux. Waouh! Ça va, Nico? Oui. La sauce, chaude. Non, non, Nico. La sauce est chaude. Merci, Sam. Oui? C'est Stéphane. Oh, Stéphane! Montez! Nous y voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Osez-vous, ne savez-vous pas qui je suis? Bonsoir, Stéphane. Sacha, ma princesse. Oh, je vous en prie, entrez. Sacha, tu es... Jimmy. Oh. Et ce doit être Annie. Que vous êtes belle. Vos robes sont identiques. Oh. Merci. Ne me remerciez pas, c'est un privilège. Et voici Nico. Salut. Bon, d'accord. Et voici Sam, des États-Unis. Bonsoir,
Des États-Unis, hein? Et comment va Monsieur Bush? Très bien, merci. Mes parents mangent souvent à la Maison Blanche. Bon, bien. C'est un bon restaurant? Non, c'est la maison des présidents. Oui, bon, merci Sam. Le français de Sam est un peu... bizarre, hein? Désolé, Sam, hein? Hey. Ah, Sacha, un superbe appartement pour une superbe jeune femme. Le dîner est servi à table. Oui. Si. Voilà. Ah, Sam, continue. Aujourd'hui, j'ai des yeux mayonnaise. Tout ce que j'aime, des yeux, surtout à la mayonnaise. Les œufs, pardon, œufs, des œufs mayonnaise. Ce gars-là est très sympathique. Où est-ce que vous l'avez trouvé? À la Maison Blanche? Remarquez, ça a l'air Dieu, hein? Désolé, hein, Nico, hein? Alors, Stéphane, à propos de ce travail... Oh, Sacha, avec ton sourire, tu ferais vendre de la glace aux Esquimaux. Quel crétin! Deuxième plat. Soupe avec la poison. Soupe de poison? Poisson, poisson. Soupe de poisson. Ah, soupe de poisson. Et je parie que ça a le goût de poison. Désolé, hein, Nico, hein? Alors, Sacha, tu aimerais une promotion? Oh, enfin, Stéphane, si... Et en échange de cette petite promotion... Oh, imbécile! Sacha, Sacha, je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. Stéphane, tu nous excuses un moment? Oui, certainement. Bon, Sacha... Non, mais tu sais combien ces pantalons m'ont coûté? Sacha, je pense que Stéphane... va me donner un job super. Non, Sacha. Je crois qu'il a une autre idée derrière la tête. Quoi? Enfin, pourquoi a-t-il acheté ces robes? Parce que... Parce que... Oh, oh! Oh non, tu crois que... Avec moi? Oh, au boulot, on l'appelle le poulpe. Oh, bah, je comprends maintenant. Je peux te parler? Bien sûr. Excusez-moi, Stéphane. Annie avait quelque chose dans l'œil. La promotion de Sacha... Je sais. Hein? Seulement, il a dit que ma soupe avait le goût de poison. Et c'est un... poule. Pauvre Sacha. Ah. Est-ce qu'on... Yeah. Allez, apporte-moi un café. Oui. Ok. Il veut un café noir bien fort. Alors, à 20 ans, j'avais déjà 50 personnes sous mes ordres. Eh bien, il va avoir du café noir et bien fort. Et avec le physique que tu as, Sacha. Parfait. Et d'ailleurs, mon père... me disait toujours, si tu veux gagner plus, tu veux m'empoisonner, espèce d'imbécile, crétin. Ça
Je vous interdis de parler comme ça à Sam. C'est ton petit copain ou quoi? C'est un garçon gentil, intelligent, ce que vous ne serez jamais, jamais, jamais. Alors, vous pouvez vous garder votre promotion. Espèce de dégoûtant. Et nous allons vous renvoyer vos robes. Hein? Quelle robe? Ben, celle-ci. Celle que vous avez achetée à Annie et moi. Vous pensez peut-être que je vais dépenser mon argent sur vous? Vous vous trompez. Jamais. Au revoir, Stéphane. Vous êtes renvoyé. Trop tard, je démissionne. Désolé, hein, Stéphane. Sacha, je suis désolé. Oh, Sam, ça ne fait rien. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Attendez une minute. Si Stéphane n'a pas envoyé les robes, bah alors c'est qui? Pour la merveilleuse Sacha, bisous S. S, ce n'est pas pour Stéphane, donc... C'est Sam. Sam, Sam, Sam. Sam. C'est pour Sam. Toi? Mais pourquoi nous envoyer les robes? Pour vous dire merci. Mais Sam, ces robes sont très chères. Où as-tu pris l'argent? J'ai de l'argent in Amérique. C'est reparti. Je sais, parce que tu travailles dans un musée. Le musée qui est sur tes photos. J'habite dans un musée. Il veut dire qu'il travaille dans un musée. Ouais, et tu as fait des économies. Ah oui, that's right. Bon, mais ces robes doivent retourner au magasin. Oui, on va les rapporter, mais pas avant de sortir. Si on allait en boîte. Allez, Sam, Nico, on va où? Si on allait au Moonlight. Oh, pff, trop 90s. Bon, alors, au Metropolis. Ah oui, Minnie m'a dit que Ricky Martin y était la semaine dernière. Non. Bon, on vous attend en bas, les garçons, hein. Sam, tu es un vrai ami. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Alors, mais qu'est-ce que tu m'as acheté? Qu'est-ce que tu crois? Ah, je t'adore, je t'adore. C'est pour moi. Oh, tu ne m'as pas acheté la moto. Tu ne m'as pas acheté la moto. Tu ne m'as pas acheté la moto. Ok. Oh, merci, Sam. Oh, vraiment. Merci, vraiment. No problem. Bah, allez, viens. Je t'emmène. Monte. Alors, tu veux toujours être serveur? Non. Je veux être un cascadeur, comme toi. Les escaliers. Ah! Mom? Have we got medical insurance? Nous devons quitter nos amis ici. Mais dans la deuxième série de Extra, est-ce que Annie sort avec Nico? Est-ce que Sam sort avec Sacha? Ou est-ce que Nico sort avec la gardienne? Qui sait? Ne rate pas les prochains épisodes. À bientôt. Oh.